broken. So absolutely exhausted. I've lost my voice. And I don't think you could make the end of a race any harder than that, you know, with coming up the river, 18 knots, then no wind, and oh my God. But it's been 5 days of intense pressure with people catching us, and we did it. I'm so pleased for Abu Dhabi, I'm so pleased for the team. Well, we've been saying it all race, you know, we've had a really tough race, and we don't have the speed of the other boats, and we have to win the race in other ways, and it's been a long, long, hard race, and not just the guys on the boat, you know, all the guys on the shore team, everybody put so much work in, the sponsors. This is for them, you know, it's amazing. It's so much effort goes into these projects for moments like this. Ah ben c'est sûr que c'est une super opération. On ne pensait pas être leader ici à deux étapes de la fin, donc c'est déjà un projet qui est allé très très bien et très haut au-delà de ce qu'on pensait. Maintenant, quand on est leader, c'est peut-être la position la plus difficile à défendre. Et on a vu Telefonica qui a été leader depuis le départ, qui a beaucoup de pression. Mais nous, on n'en a pas parce que je crois qu'on prend les choses comme elles viennent. Et leader ou deuxième ou sur le podium, on est déjà très heureux de cette performance-là. Et voilà, il reste deux étapes et rien n'est joué aujourd'hui. Rien ne sera joué certainement à Lorient, ça se jouera à la fin. Mais c'est une super course et c'est pour ça qu'on l'aime.